Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer notre premier cours, soit de DALT, soit de TCF, niveau 1-1. Aujourd'hui, on commence avec module 1. Justement, vous allez savoir les modalités pour les épreuves, soit collectives, soit individuelles, pour DELF. Il y a quatre compétences essentielles: compréhension de l'oral, puis compréhension des écrits, production écrite et production oral avec l'interaction. On va expliquer en détail dans notre cours. Minimum, si vous allez justement passer cet examen, il faut avoir au moins 50 points sur 100. Au minimum, pour chaque examen, dans le barème 25, vous allez obtenir 5 sur 25, mais la totalité doit avoir 50 sur 100. Pour le TCF, on va expliquer en détail parce qu'il y a plusieurs modalités, plusieurs options. Mais ici, vous avez les barèmes avec les équivalents points atteints pour TCF et les équivalents pour les niveaux DELF et DALF. Exercice 2. Pour épeler. Mail. M. E accent aigu. L. Répète. R. E accent aigu. P. E accent grave. T. E. Lucile. L. U. C. I. 2 L. E. Loïc. L. O. I. tréma. C. Vocabulaire très important. Je. Moi. Tu. Toi. Il. Elle. Nous, vous, il, elle, salut, bonjour, bonsoir, bon après-midi, au revoir, à bientôt, c'est un stylo, un crayon, un mouchoir, une trousse, un cartable, un sac, un cahier,
un livre, une école, une classe, une table, un tableau. Être, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle. Avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Je vais, tu vas, il va, elle va. J'aime, je déteste, je n'aime pas, je voudrais, je joue, je fais, j'habite à. Then you have get the city. Exemple, j'habite à Riyadh. Oui, non, il y a un frère, une sœur, un père, une mère, une fille, un garçon, les parents, les grands-parents, un oncle, une tante, un cousin, une cousine, un ami, un copain, une amie, une copine, un animal, un sport. Qui, que, quoi, où, quand, comment, pourquoi, quel, combien de, un nez, une bouche, une oreille, un visage, une main, une jambe, une tête, j'ai mal à la tête. Les cheveux, une couleur, bleu, noir, blanc, orange, rouge, jaune, vert. Le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, un repas, délicieux, un sandwich, une fourchette, une cuillère, un couteau, un plat de fruits, de légumes, j'ai faim, j'ai soif, je préfère, je mange, je bois, je mets un pantalon, une chemise, une voiture, un bus, un vélo, beaucoup, peu, bon, mauvais, grand, petit. Je vais, aller, une entrée, bar, très, bonne journée, bienvenue, bonjour, salut, à bientôt, au revoir, écouter, regarder, lire, parler, écrire, répéter, une copine, un copain, un garçon, un sac à dos, une fille, Comté, mademoiselle, madame, monsieur, pardon, merci, être, s'appeler, avoir, il y a, un cahier, un livre, un agenda, un stylo, une trousse, une calculette, une gomme, un mouchoir, une clé. Les parents, nés, naître, là, un théâtre, alors, je fais, faire, une soirée, une maison, commander, je peux, pouvoir, apporter, ça, commence, venir, avec, un ami, si, je veux, vouloir, le, la, les, mesdames, et, messieurs, bienvenue, un parc, ouvre, ouvrir, une porte, ferme,
Fermé. Une caisse à côté de un parking, une porte, un billet, un adulte, coûté aujourd'hui pour acheter un enfant, il est être gratuit.
Maintenant, production orale et interaction. Exercice 1. A. Bonjour, je m'appelle Lucille. À bientôt les copains. B. Salut, moi c'est Samuel. C. Salut, je m'appelle Loïc. D. Bonjour, moi c'est Xavier. Salut. E. Bonjour, moi c'est Iman. Rendez-vous à Paris. F. Salut, moi c'est Lise. Bonjour, moi c'est Léa. Au revoir. G. Salut, moi c'est Oscar, yo. H. Allô? Salut, c'est Alice. Pour faire connaissance. Saluer. Salut, ça va? Bonjour, ça va et toi? Se présenter. Je m'appelle Léa. Moi, c'est Léa. Présenter quelqu'un. Je te présente Samuel. Je vous présente mes copines. Apprendre à apprendre. Écoute et répète. Je ne comprends pas. Comment ça s'écrit? Comment on dit? Regarde et lis. Comment on prononce? Compréhension de l'oral. Exercice 1. Moi, c'est Lucide. J'aime les promenades. J'adore les livres. Mais je préfère le sport. Je déteste regarder la télévision. J'aime l'école. Je m'appelle Oscar. Je n'aime pas le sport, mais j'adore la danse et la musique. Le samedi, j'aime regarder la télévision à la maison et jouer aux jeux vidéo avec mes copains. Dialogue. Voilà, mademoiselle, un cahier et un stylo. Merci, madame. Salut, Lucille. Ah, bonjour Léa. Ça va? Ça va et toi? Je te présente Samuel. Salut. Bonjour Lucie. Ah non, je m'appelle Lucille, avec deux L. Oh, pardon. Pardon? Comment tu t'appelles? Lucille. Ah, moi aussi. Vous vous appelez Lucille? C'est amusant. We start with some rules of grammar. First rule, talk about les articles indéfinis. Like in English, et or un, we have in French three articles, un, une, des, and the bias. Un, first one, use it if you have after noun or name, male and singulier. It means that one, not many. Une, second one, the same meaning, or an, but for female. And last one, day, end by s, use it for many. It means that this name end by s, for example. We have some examples. Un garçon, like in English, a boy. Une fille, like in English, a girl. Why we use first un? Because garçon, boy, male. Why second one we use before fille? Une, because fille, girl, male or female, female. So we use une. Des livres, some books. Des means some. So we have three articles indéfinis, equal in English, et or un. So you have, when you memorize the vocab, the lexic vocab, for every lesson, you have to know this name or this word is male or female, because in French, different than Arabic. We have also second kind of article, article défini, like in English equal the. How can we say the in French? We have many
article mean the, all mean the, but the using is different. For male singulier, use le, like le livre, the book. If you have it plural with s and male and plural, use les, end by s, les, like les livres, the box. If you have it male, use le, plural, use les. If you have this name or this word female, féminin, use la, la. Mean the also, but for female. Example, la maison, the house. If plural, use the same one for male, les maisons. If you have it start with vowel and male or female start with vowel, but singulier, use l apostrophe, like l'arbre, the tree, l'école, the school. Start with vowel. If you have it plural, les. So use les end by s for all kind of name or pronoun, name or nouns end by s. But for male, le. Female, la. Start with vowel, l apostrophe. What about the sentence in French sentence? We have to start with sujet, mean subject, then verb, then complément d'objet, mean object. Look this example in your left hand. Bart joue au football. This boy play football, is playing football. Where is the subject? Bart. Where is the verb? Joue, mean playing. Where is the object? Of football. We start with first partition. The subject may be this subject. You can use pronoun like in English, I, you. So you have to know pronouns. Pronouns for subject. Je mean I, tu, you, il mean he, elle, she, nous, we, vous, you, but for many, il. They for male, elle end by s mean they also, but for female. So you have to memorize pronouns for subject. What about the verb in French? We classify all verbs in French in three groups. First group end by two letters er, like verb parler, mean to talk. Second group end by er, and last group is exception, re and sometimes oer. First group end by er, how can we use it in present tense? Just remove last two letters, then add new ending according to each pronoun. If we have je, if we have for example je, I add e in the end. If I have the pronoun tu, I add es. If I have it il or al, I add e. If I have nous or nas, if I have vous, ez. If I have il avec s, I add e and t. Look this example. Verb end by er, jouer, mean to play. Look what I do with je. I say je joue, I add e, tu, es, and so on with each pronoun, add the new ending. So you have to memorize a new ending. Some verb, but very important. You have to memorize each one to use it. Très important. Très important. Verb s'appeler. It means that if you want to say your name, for example, you say je m'appelle, tu t'appelles, il, elle s'appelle, nous, nous appelons, vous, vous appelez. Il s'appelle, elle s'appelle. Verbe avoir mean to have. If you want to say I have, j'ai, tu as, you have, il, elle, on, a, he or she or someone has. Nous avons, we have, vous avez, il,
And if I ask they, al mean they, but for girls, ils, elles ont. Ils, elles ont. Verb être mean to be. If you want to say I am, you are, like this. Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. They are. To go, verb aller, je vais, mean I go, tu vas, you go, il, elle, on, all take the same verb, va, va. Nous allons, vous allez, ils, elles vont, they go. Maintenant, production orale écrite. Now, you have to practice some oral and some paragraph to write. You have to write and say oral. First topic, talk about yourself to your friends. Introduce yourself. Présente-toi à tes amis. When you introduce yourself, you say, je m'appelle, and see your name. J'ai, and see your age. For example, someone 13 years, you can say, j'ai 13 ans. 12, you have to revise the numbers. J'ai 12 ans, for example, 12. J'ai frère, sœur, how many? Brothers and sisters. For example, if you have two brothers and one sister, or l'inverse, you can say j'ai deux frères et deux sœurs. Or if you don't have, you can say je n'ai pas de sœurs, je n'ai pas de frères, I don't have. Je suis égyptien, saoudien, jordanien, syrien, américain, etc. Nationality, your nationality. Je parle arabe, anglais et français. Which language you talk? J'habite à Riyad en Arabie Saoudite. Where do you live? J'aime jouer au football, au basket, au tennis. Say which sport you play. It's like model to introduce yourself. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? What you can find in your bag? You can say according to vocab that you have before. You can describe what you can find in this bag. Example, dans le sac. Dans le sac A, letter A, il y a du stylo. And you can describe each bag, what you can find inside. Now here exercise, you can say what you find in each one. You can say it oral and writing. Production orale, it means that you have to revise the numbers and use it for, par exemple, deux fois mean multiply to, moins mean minus, plus mean plus, divisé par mean divided by, and you can make practice for numbers to revise the numbers.